Bonjour, ici Jean-Louis Gaillard. Aujourd'hui encore, je vais vous raconter une nouvelle histoire. L'expérience. Le petit Robert nous propose cette expérience surprenante. Plutôt que de répéter sans cesse à l'enfant que le feu brûle, consentons à le laisser un peu se brûler. L'expérience instruit mieux que le conseil. Pascal a écrit « Les jeunes manquent d'expérience, mais on tire davantage non seulement de sa propre expérience, mais encore de celle de ses prédécesseurs. » Personne ne contestera ici l'expérience de l'auteur du livre « S'aimer », de l'animateur pendant 15 ans du Courrier du cœur sur Radio Sautène à Lausanne. J'ai nommé le pasteur Maurice Ray. Un jour, un homme vient le voir et lui annonce sa décision de divorcer. Il affirme que la vie n'est plus possible au foyer et l'homme étale devant lui tous les défauts de sa femme. Maurice Ray prend enfin la parole et lui dit « Écoutez, monsieur, plus je vous écoute et plus je suis convaincu d'une chose, la meilleure femme pour vous, c'est la vôtre. Prenez votre croix, suivez Jésus-Christ et il vous aidera à aimer votre femme. » Il avait de l'expérience, le pasteur, bien sûr. Dans l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 4, verset 11, Paul dit « Car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Retrouvez un jour une histoire sur www.365histoires.com.